Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la conjugaison des verbes du premier groupe en français au présent de l'indicatif. Les verbes du premier groupe en français sont très importants. Ils représentent environ 90% de tous les verbes de la langue française. Comment reconnaître un verbe du premier groupe? Il se termine toujours en ER. Par exemple, parler, danser. Ces lettres finales, ER, on appelle ça la terminaison. Et quand on va conjuguer le verbe, la terminaison va changer. Conjuguons ensemble le verbe parler. Les pronoms personnels, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. J'ai laissé le verbe à l'infinitif et nous allons maintenant changer la terminaison. Avec je parle. Avec tu parles. Avec il, elle, il parle, elle parle. Avec nous, nous parlons. Avec vous, vous parlez. Et avec il et elle au pluriel, il parle, elle parle. La prononciation avec je, tu, il, elle et il, elle est toujours la même. Parle, 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 parle. Conjuguons maintenant le verbe danser. Je danse, terminaison E. Tu danses, terminaison ES. Il, elle danse, terminaison E. Nous dansons, terminaison ONS. Vous dansez, terminaison EZ. Il, elle danse, terminaison ENT. Même chose avec je, tu, il, elle et il, elle au pluriel, la prononciation est la même. Danse, danse, danse et danse. Attention! Il y a une exception, le verbe aller. La terminaison du verbe aller est ER, mais c'est un verbe du troisième groupe. La conjugaison est irrégulière. Conjuguons
le verbe aller ensemble. Je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Il y a aussi des cas particuliers que je vous présenterai dans une autre vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup et à bientôt.